Bonjour à tous et à toutes, nous sommes pour une vidéo sur Limbo. Limbo, un jeu vraiment super, franchement un super jeu que je viens d'acheter il y a quelques minutes. J'ai regardé quelques vidéos qui étaient vraiment très sympas de ce jeu et puis il y avait la réduction, je sais pas quoi, une réduction de... Il coûtait plus que 2 € le jeu et je trouvais vraiment ça vraiment super. Donc je crois qu'il est sorti en 2011 le jeu. Et pour un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps déjà, il y a presque 2 ans ou 1 an, je sais plus. Enfin, 1 an, hein, je suis con. 1 an, presque 2 ans. Il est plutôt sympa. Donc, je vais vous faire voir un petit peu les paramètres là. Les paramètres, comment y jouer. Voilà les touches que on pourrait mettre même aussi une manette d'Xbox. Ou de, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc on a les déplacements, c'est vraiment très simple, il n'y a vraiment pas beaucoup de déplacements, il y a l'action aussi, il y a les déplacements normaux, et voilà, normal. Alors, on y va, c'est parti, on commence l'aventure ici. Je sais pas si vous voyez un petit peu les granules, un petit peu la vieillesse. Ils ont fait un genre de vieillesse du jeu, c'est vraiment stylé. Faut faire très attention au décor. Parce que des fois, il peut y avoir des pièges et tout. Franchement, c'est très dangereux des fois. Donc là, comme là, bim, faut sauter. Vraiment très stylé aussi. Franchement, pas déçu de l'avoir acheté, ça c'est sûr. Donc on peut tirer avec CTRL. Hop, on tire. Ouais, j'aime bien parce que ça revient. C'est vraiment stylé quoi. Hop, on saute. Enfin, on saute, on avance juste en sautant, c'est tout. Hop là. On descend. Ouais, c'est ça, faut descendre. J'ai eu peur, je croyais qu'il fallait passer de l'autre côté, mais non, c'est bon, c'est ça. Donc, je vais pas trop vous dire sur le jeu, c'est vraiment une vidéo découverte de ce jeu qui a été vraiment sympa. Moi, je l'avais découvert sur la chaîne de Diablo X9. Je me suis dit pourquoi pas le télécharger ou pourquoi pas l'acheter quoi sur Steam. Et franchement, il est vraiment super, c'est vraiment un super jeu qui est vraiment émouvant, on va dire ça comme ça, avec un noir et blanc vraiment stylé, la fluidité du jeu aussi vraiment vraiment bien pour un jeu à 2 €, c'est vraiment un truc de ouf. Donc franchement, je vous le conseille, c'est un truc de malade ce jeu. Donc je vais pas trop parler non plus sur ce jeu parce que je suis pas trop informé sur un jeu comme ça, comme je viens de l'acheter il y a quelques minutes, voilà quoi. C'est un peu limite. Ça normalement on doit le tirer, hein, logiquement. Hop là. Voilà, on saute, on revient de l'autre côté et on revient, voilà. Voilà. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Pour une vidéo qui sera assez courte, j'espère. Oh lolo, j'ai fait un fail. Un fail. Allez, monte mon petit, monte. Hop, saute maintenant. Voilà, super. Franchement, vraiment stylé les décors. Je sais pas, c'est qui l'a sorti ce jeu. J'en ai aucune idée. Peut-être vous pourrez me le dire dans les commentaires. Dites-le moi et franchement, ça serait sympa parce que franchement, c'est vraiment stylé. Regardez quand il marche aussi, on voit vraiment la poussière derrière. C'est vraiment stylé. Je sais pas si vous l'allez le voir. J'ai pas eu ralenti. Je sais pas si vous avez vu, mais ça, c'est des pièges à loups. Et moi, c'est des pièges à humains en fait maintenant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'enlever en le poussant. Ici et en prenant de l'élan et sautant, et il faut ressauter de l'autre côté et monter. Voilà, c'est passé nickel. Des fois, on peut pas voir les trucs comme là. Regardez, là c'est très 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 compliqué. Je sais pas si vous voyez, là c'est très compliqué. Vous allez me dire que comment faire. Franchement, je ne savais pas au début. Voyez, là vous êtes là et vous pouvez sauter à nulle part, vous pouvez vous balancer, vous pouvez pas et tout. Donc, vous voyez qu'il y a un petit truc, genre ce truc en mouche. Qui gêne, et bien ce que vous faites, vous le prenez, vous le mettez en dessous, vous remontez en haut, merde, j'ai fait un fail, vous montez en haut, hop, et ça va descendre et le couper, voilà, et après vous pourrez monter juste en haut pour monter en haut, tout à fait. Voilà, c'était assez compliqué celle-là, ce petite faille, donc là je connais pas trop, comme j'ai pas joué là, donc attendez. Faut vraiment, c'est vraiment stylé quoi, les effets de lumière, c'est vraiment magnifique. Je pense que vous voyez pas tellement bien dans la vidéo. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est vraiment nickel. Aïe. Ah là. Je le savais pas. Bon bah tant pis, on va recommencer, c'est pas grave. Maintenant, on le saura. Voilà. Passe mon petit. Voilà, nickel.
Allez, on monte. J'espère qu'il n'y en a pas une deuxième. Non, c'est bon. Comme vous dites, c'est vraiment un jeu stylé, hein. Je sais pas s'ils en sortiront un autre, un Limbo 2. Limbo 2, c'est classe. Je regarde bien le sol parce qu'il peut y avoir des trucs qui peuvent être cassés. Ah, il y a une ligne, liane là-haut. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben on va. Ouais. Soit je pense pas que ça flotte, ça. Ça sert à rien. Essayez. Ça va faire, on va le monter là. Oula, je vais pas sauter. Ah voilà, c'est bien ici, vous voyez. Oh lolo, je fail. Attends 2 secondes, je refais. Je peux pas l'atteindre comme ça, c'est pas possible. Voilà, magnifique. Faut passer par là. Voilà. On va faire Tarzan là, on fait Tarzan dans Limbo. Et là, faut pousser l'arbre. Et il faut redescendre. Je sais plus où je suis passé. C'est par là. Lâche, lâche. Non. Si, c'est bon. J'aurais cru que j'aurais pu crever, mais non, c'est bon. Magnifique. Donc allez, on va sauter jusqu'à là. Le tronc va nous servir. Attendez, on peut le pousser. Ouais, ah. Voilà, on le pousse. Pas encore assez poussé. Et hop là, voilà, c'est nickel. Franchement, c'est une petite découverte pour vous, pour peut-être ça pourrait vous dire de l'acheter. Ça peut peut-être vous intéresser parce que ce jeu n'a pas été tellement vu. Il était sur Xbox, il était sorti sur Xbox. Et maintenant, il est sorti sur PC il n'y a pas vraiment très longtemps. Wow, wow. Il n'y a pas vraiment très longtemps. Il y a un truc qui me semble bizarre là. Pourquoi il y a un piège à loup là-haut? Trop bizarre. Elle veut me faire quoi, elle? Oh. Trop bizarre. C'est quoi ça? Et on dirait qu'il a avancé. Attends. On va refaire. Vas-y. Ah, et ben voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais entendu du bruit. Je sais pas si con que ça, hein, vous voyez? Donc allez, on va l'amener jusqu'à là-bas. Je sais pas ce qu'il faudra faire en tout cas, ça j'en sais rien. Tiens, allez, à patte. Tiens, prends. Bah prends, qu'est-ce que t'attends? Ok, d'accord. Oh là 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 là, c'est pas ça je pense qu'il faut faire. Eh si, c'est ça. Allez, viens toi, mon petit. Oh là là, fail. Allez, réussi. Et il a quoi? Oh, merde! Oh là 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 là. Et je vous jure, j'ai pris une panique là. Truc de ouf. J'espère que je vais pas recommencer jusque. Ah si, il faut que je recommence. Attendez, il y a le truc hein. Il est là en bas, ok. J'aurais cru pas passer. Comme vous voyez, c'est vraiment silencieux. Franchement, vous pouvez même. Genre, c'est presque un jeu de détente quoi. C'est vraiment un jeu. Ok, d'accord. Ça, c'est moi qui ai mes fails tout seul. C'est vraiment un jeu que vous pouvez vraiment. Genre jouer la nuit ou un truc comme ça, franchement, ça pourrait vraiment vous chucon. Oui. Vous pourrez vraiment vous amuser dessus. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc essayez peut-être de vous l'acheter. Moi je l'ai payé à 2 euros. Il va coûter 27 euros normalement. Voilà, ça c'est fait. Et faut pas que je fasse la même connerie que tout à l'heure. Si je fais la même connerie tout à l'heure, ça va pas être bon, je vous le dis direct. Voilà. Oh là, faut pas faire la même connerie. Pas la même connerie. Voilà. Ça c'est fait.
Voilà. Et en plus, il a cassé le matériel. Je sais pas si vous avez vu. Ok, c'est barré, c'est bon. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là. On va descendre. Je sais pas ce qu'il faut faire. On descend, on court. Sans stylé, franchement, la luminosité aussi, vraiment géniale, juste exceptionnelle. Et on va bientôt s'arrêter là. Ouais, je pense pas vous faire un let's play dessus. Je pense que c'est pas vraiment intéressant. Oh, j'arrive plus à marcher là. Pourquoi je peux plus marcher? Ah, je suis coincé. Non, je suis pas bloqué. Il y a une araignée en plus derrière. Oh bah, merde. Je peux pas bouger. Je pense que c'était stylé. Je peux rien faire. Ok, il m'enroule dans sa toile d'araignée, j'aurais pas cru. Bah si. Voilà. Ouais, je peux bouger. Voilà. Wesh, on peut sauter, c'est bon. Voilà, on va descendre jusqu'à en bas et on va se laisser là. Voilà. On dirait des mouches ou des motocross derrière. Bon, allez, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi, franchement, j'ai vraiment aimé. Donc, j'espère que vous achèterez peut-être le jeu. On sait jamais. Donc, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Putain, j'ai l'air d'un ouf.